Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Comme je vous l'ai annoncé sur Snapchat, sur Instagram, aujourd'hui je vais faire un vlog. Donc ça va être un vlog sur 3 jours, peut-être qu'il sera divisé en 2 parties. Je ne sais pas, mais j'ai quand même pas mal de petites choses à vous faire découvrir. Parce qu'aujourd'hui il y a le salon cosmétique 360. Pour vous faire, pour vous expliquer en fait, c'est l'endroit où il faut être si on veut être au courant de tout ce qui se passe au niveau de la cosmétique, au niveau des startups, des nouvelles entreprises, des nouvelles applications dédiées à la cosmétique digitale, dédiées à... Enfin, il y a plein de choses à découvrir, de nouvelles marques, de nouveaux ingrédients, de nouveaux actifs, de nouvelles technologies, etc., etc. Donc je vais aller voir ça, je vais retrouver Emmanuelle qui est mon ancienne directrice, donc c'est cool, on va se retrouver, ça doit faire 3 ans qu'on ne s'est pas vu je crois. Donc c'est cool, on va se retrouver là-bas. Ensuite, demain, dans le vlog de demain, vous allez voir des petites choses très sympas. En fait, c'est un programme qui s'appelle le programme Hashtag. Et la marque SkinCeuticals m'a invité, m'a sélectionné en fait. On est 5 au total, donc je ne sais pas trop qui sont les 5. Je vais le découvrir, j'en connais juste une. Mais vous verrez demain, je vous laisse la surprise. Donc demain on a rendez-vous avec la marque, on est 5 au total. On va avoir toute une présentation de la marque. C'est une marque moi que j'adore, d'ailleurs je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, parce que c'est une marque de pointe sur les antioxydants, sur les vitamines, sur les sérums, sur les actifs bien poussés, bien sélectionnés. Bref, je vous en garde vraiment pour demain, parce que demain ça va être beaucoup plus intéressant et ça sera justement expliqué par une personne de la marque. Et l'après-midi on se rend au Derma Center. Je suis désolé, il y a du bruit mais j'ai laissé la fenêtre ouverte hein, parce qu'il fait un peu chaud. On a rendez-vous au Derma Center pour faire un diagnostic de peau et ensuite nous sera établi une routine de soins SkinCeuticals pour pouvoir avoir vraiment bien les produits bien adaptés à notre peau, à nos problématiques, etc. Et surtout pour avoir le scan au Derma Center pour voir l'évolution des produits sur la peau et surtout pour voir l'état. Donc ça me fait un peu peur parce que je me dis mon Dieu, ma peau va être mise à la loupe fois je sais pas combien, donc j'ai peur de ce qu'on va voir. Bref, en tous les cas ça s'annonce vraiment top. Ça va être une journée géniale encore une fois. Moi j'adore les journées où on échange avec les marques, où elles nous transmettent leur expertise comme ça. Je trouve ça vraiment top et c'est ça moi que j'aime dans ce que je fais sur YouTube. C'est vraiment pouvoir rencontrer des marques, pouvoir échanger, pouvoir tester les produits, mais pas de façon... bâclée, en essayant un produit vite fait et en vous faisant une vidéo dessus. Non, là c'est vraiment poussé. Moi c'est ce que j'aime et c'est ce que je recherche par le biais de YouTube. C'est vraiment me spécialiser en me formant sur des marques pointues comme celle-ci. Et voilà, donc écoutez, demain on fait ça. Et ensuite vendredi matin, on va faire encore 2 tournages dans le public, évidemment, pour Je t'aime, etc. Donc attendez-vous à ce que ce soit diffusé la semaine prochaine. Normalement, vous regardez ce vlog, on est mercredi, si vous l'avez vu le jour de la diffusion. Je vais le poster mercredi, donc je ne sais pas. Je vous dirai ça de toute façon sur Snapchat et sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre sur ces réseaux parce que c'est du direct, donc c'est plus simple à vous communiquer des informations. Ensuite, on se rend dans les bureaux de chez L'Oréal pour avoir une petite formation sur les réseaux sociaux. Et à 16h, il y aura le live avec l'invité surprise, l'invité mystère, donc qui sera au jour où vous allez voir cette vidéo, il sera déjà révélé. Donc moi je ne sais pas du tout qui c'est que ça va être. Les fois précédentes on avait des petits indices, on se disait ah ça peut être un tel ou un tel. Là franchement je ne sais pas du tout qui ça peut être, donc on verra, ça sera la surprise de demain. Je vais aller m'habiller, je vous montre la chambre d'hôtel qui est vraiment très mignonne. Je suis à l'hôtel Caron dans le 4ème il me semble, très mignon franchement. C'est cool, donc je suis ravi pour l'instant de mon séjour sur Paris. Là c'est la queue pour aller voir l'exposition de Christian Dior. Comment vous dire que je vais pas m'arrêter, même si ça a l'air très intéressant. Mais ça sert pour quoi? Ça sert pour les boîtes, pour les parfums? Non, pour
La PLV. Ah d'accord. Oui. Ah, d'accord. C'est pas le packaging. Ah oui, c'est pas. Ou les boutiques. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord, j'ai compris. Super. Possible. Les substances. Et après, si on fait des produits finis, ça permet d'absorber le mieux possible dans la peau. Et quelle source d'énergie, la radiation? C'est une sorte de chaleur, en fait. C'est d'accord. En technique. Très bien. Je vais tester peut-être. Ah, oui. C'est bon. Alors, la société Enzyme Secret est un spin-off d'un laboratoire taïwanais. Donc, le laboratoire taïwanais a découvert, à peu près par hasard, en cherchant un médicament contre le cancer, a découvert un agent anti-âge très intéressant qui s'appelle le MMPH+. Donc, c'est le petit logo bleu que vous voyez en haut à gauche. Ce MMPH+, c'est le principe actif qui est derrière les produits que vous allez voir là. Ce sont les produits finis, ça c'est le principe actif. Et donc, vous voyez, il a deux utilisations, c'est ça, enfin, il a deux actions. C'est ça qui est intéressant, en fait. D'un côté, il inhibe l'excès de ces enzymes-là, MMP 1, 2, 3 et 9, qui sont des enzymes produites par notre organisme, qui détruisent, enfin qui digèrent plus précisément, le collagène endommagé. D'accord. Donc par exemple, quand on a pris le soleil, quand on joue nuit, ou quand on fume, quand on va à la piscine, le chlore, tout ça, ça endommage le collagène. Et donc le collagène endommagé est digéré par ces enzymes. Donc il nous faut une certaine quantité de ces enzymes quand même. Par contre, il n'en faut pas trop. Si on en digère trop, après, il n'y a plus assez de collagène. Donc, vous voyez, il s'agit, pour cette technologie MMPH, il s'agit d'inhiber ces enzymes, celles qui sont en trop. Inhiber, mais pas complètement. Et la deuxième action, qui est peut-être la plus innovante, c'est ça que vous voyez, qui est symbolisé par le petit robinet. En fait, toute la journée, on perd du collagène, c'est tout à fait normal, c'est une fuite. Il y a une fuite de collagène, c'est tout à fait normal, mais comme le produit limite cette fuite, donc il ne l'empêche pas complètement, il ne la bloque pas, mais il la limite, et c'est intéressant parce que du coup, la production naturelle de collagène, elle est maintenue, c'est ça, exactement. On a deux types de produits finis. Alors on a d'abord le sérum, ici il est présenté en cure, mais vous voyez, on peut aussi... Là, c'est un échantillon. Ouais. Donc là, on est sur 6 semaines. D'accord. Chaque petite bouteille dure une semaine. L'idéal, c'est d'utiliser matin et soir, mais aussi une fois par jour, c'est déjà pas mal. Je vous laisse... Non ? Allez. Oui, c'est très très fluide. Oui. Très agréable, qui va pénétrer la peau. Et donc, la petite crème qui sert, qui est anti-âge, mais qui sert également de crème hydratante. Pour la plupart des peaux, ça suffit. Mm-hmm. Pour tout type de peau, celle-ci, ou vous en avez différentes? Non, c'est les mêmes, c'est tout type de peau. D'accord. Ça a été testé sur peau sensible d'ailleurs. Mm-hmm. Et c'est bon pour les peaux sensibles. Et pas trop gras pour les peaux grasses? Bah, je vous laisse juger par vous-même. Yeah. Oh, c'est très très agréable. Et puis ça pénètre trop vite. Ah ouais, c'est chouette. En tout cas, les clients taïwanais sont vraiment très satisfaits. Ouais. Et c'est ça aussi. Les textures de demain, les amis. Innovation texture. Oui, regardez-moi ça. D'accord. Donc, c'est un masque qu'on applique en couche épaisse, vous m'avez dit, ouais. Et ensuite, on met de l'eau dessus. Un peu ou avec une lotion, on peut ou c'est oui, forcément de l'eau. Avec cette eau, l'eau activée d'accord. Qui va d'accord. Avec. Ouais. Et ensuite ça fait un peel-off. On peut rajouter le parfum. C'est génial. Bonsoir, donc nous sommes toutes les deux très heureuses de vous présenter ce prix. Il y avait eu beaucoup de concurrents et pour nous c'est très intéressant parce que la formulation c'est vraiment le toucher, c'est vraiment l'émotion. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience. Et je crois que c'est vraiment une voie qui a beaucoup, beaucoup d'avenir dans les années qui vont venir. Donc moi, j'étais un petit peu l'œil de la consommatrice. Et puis, Sylvie est une journaliste qui est très spécialisée et donc qui voyait les choses aussi en consommatrice, mais aussi peut-être en plus grande experte.
Donc pour nous, il a été effectivement difficile de départager tous ces totems, d'autant que quand on parle de sensorialité, c'était difficile sans forcément toucher les produits. Donc nous avons voulu distinguer des entreprises qui avaient des démarches claires, qui apportaient des solutions à l'industrie et une véritable réponse aux besoins du marché. Et alors bien Sylvie, le gagnant est Laboratoire BF International. Salut tout le monde, on se retrouve le lendemain, donc là il est, je crois que c'est 9h45, je vais descendre pour retrouver Nicole pour le petit-déj, et ensuite on a rendez-vous à 11h chez SkinCeuticals, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce qui nous attend, la formation, les produits, le diagnostic de peau, l'ordonnance, et puis rencontrer toutes les personnes qui participent avec moi à ce projet. Voilà, donc écoutez, je vous emmène avec moi dans cette super journée, et puis on se retrouve plus tard. C'est très mignon. Tu es à quel étage, toi? 6. 6, ah oui, je suis au 5. Regardez qui c'est que j'ai retrouvé. Nicole! Ravie d'être avec toi. Ah, mais moi aussi. Je suis trop content. Donc, on va passer une super journée. Oui. Et là, on prend le petit-déj et on s'en va. On a rendez-vous à 11h. Voilà. Regardez comme c'est super mignon. Donc, toute l'équipe est là. Voilà là où on va être aujourd'hui pour la formation. Donc, ça, c'est toute l'équipe SkinCeuticals. C'est vraiment très très joli. Très très beau. On peut vous filmer, vous l'équipe, il n'y a pas de soucis. Donc, ça y est, on est presque tous au complet. Toute l'équipe est quasiment là. Donc, il y a l'équipe SkinCeuticals. Donc, c'est hyper hyper convivial. L'endroit est vraiment chouette. Vous voyez, on a. Hop, cet endroit-là, je pense que c'est ici que va se passer la formation. Le lieu est vraiment sublime, vous voyez, hop, c'est vraiment hyper joli. Ça va être une super super journée, donc j'espère que ce vlog va vous plaire, parce que là on va vraiment être dans la formation, le soin bien, bien spécifique. Donc moi c'est ce dont je parle sur ma chaîne, donc je pense qu'on est dans le thème idéal pour ce vlog. A plus tard. Faire une petite expérience de la pomme. On y va. Parce que la pomme rouille comme la peau quand elle est agressée à l'environnement, à tout ce qui l'agresse. Donc l'idée c'est de protéger la peau et la pomme avec un antioxydant tous les matins. Donc je vais mettre sur la partie de gauche des deux quartiers de pomme l'antioxydant et puis on va laisser agir et puis on verra dans quelques minutes ce que ça a donné. Donc ça c'est l'antioxydant qu'on va mettre pour protéger notre peau. Notre pomme, des agressions extérieures pour éviter qu'elle rouille, qu'elle ne vieillisse par rapport à tout ça. Qu'elle ne frippe pas. Qu'elle ne frippe, qu'elle se relâche, qu'elle étale. Une petite compote de pomme. Une petite pomme de rainette qui reste éclatante. Et quand même, on voit bien. Hein. Ah oui, on voit. Ça ne fait pas bio, donc. Il y a des plus bio là-dedans. Donc il y a un côté qui commence à s'oxyder, clairement celui où il n'y a pas eu d'antioxydant. Celui-là, oui. Et voilà, on fait ça. Ah oui, bah oui, t'en as plein. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre? Venez. Donc, je vais vous donner. Est-ce que tu peux nous prendre aussi? Tu peux nous prendre, s'il te plaît? Moi, je peux. Alors, je vais être spécialiste, ne m'en veux pas. Non, mais c'est pas grave. Toi, tu peux nous prendre. Oui, oui. Ah, mais bon. Mais bon, Max, tu peux faire carré? Un carré? Ouais. En carré, mais droit, comme ça, pour Instagram. Tu nous vois tous? Allez. Ça c'est pour moi. Allez, 1, 2, 3.